When you go on with par rapport à ta mission, Jésus dit tout ce que tu cherchais. What you were il y aura un certain moment. There shall be a moment. Ah là, j'ai toi si tu m'en mets. Amen. Tu ne me laisses pas le temps de prier. C'est un peu les affaires. À la fin, toi aussi, déjà des enfants. Le vécu ici a un problème. L'autre là. Et comme tu es d'ailleurs, quand on est là, il faut que l'on amen, amen. Au fond, amen. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ma soeur, Dieu m'a dit. Je vois dans ta famille, telle chose va arriver. Si le pasteur priait, ça va se venir. Pasteur, Dieu m'a montré. Il y a une autre personne. Non, ma soeur, Dieu m'a dit. Tu comprends que tu commences à vivre en abondance. C'est comme ça, apôtre Paul dit. Je veux que vous prospérez. Comme prospère quoi? L'état de votre âme. Hein? L'état de votre âme. Par the state of your soul. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris ça? Amen. Arrêtez de courir derrière l'argent. Arrêtez de courir derrière les choses. Demandez d'abord à Dieu. Quelle est ma mission sur la terre? Pourquoi tu m'as créé? Quand tu viens à l'église, ne prie pas, oh Seigneur, oh Seigneur. Ne prie pas. Oh Seigneur. Oh Jésus. Frère, il existe la différence entre la prière et la lamentation. There is a huge difference between the prayer and the lamentation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Non, j'ai pas fini ma prédication, on rentre à la maison. Je vous assure. J'ai pas terminé ma prédication là. I can end on rentre à la maison. And we go back home. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il existe la différence entre une prière. There is a difference between et lamentation. And the lamentation. C'est comme ça que vous trouverez dans la Bible. That's why you find il in the existe Bible. Un prophète. There is a prophet. Qui a écrit des livres. Mais en réalité, n'est pas tes livres. Seulement Dieu a dit à Jérémie. Bon, faisons ceci. Prends d'abord les choses que moi j'ai dédiées. Amen, amen. Amen, amen. Écrivez ça. Alors, prends d'abord les choses que toi tu te ramasses là. Écrivez ça aussi. Mais pour moi, on va mettre ton nom. Mais pour toi, on écrira quoi? La lamentation de Jérémie. They will put the lamentation bon, of frère, depuis quelle année ta vie est toujours dans lamentation des grâces moindres? Mets ton nom là, mets un peu ton nom, mets un peu ton nom. Mais non, mets ton nom là. La lamentation de qui? The lamentation of who? Tout est ta vie. All your life. Il reste qu'on va prier Satan afin que nous puissions prier dans le message. Listen to the prayers. Oh Seigneur! Oh Lord! Oh! Oh! Toi, le Dieu de William Marion Prévost! Toi qui ne changes pas, Seigneur! Toi qui as ouvert les seaux, Seigneur! You are the one who opened the seals! Toi qui es venu cette année soir! You have came in this evening time! Hallelujah! Hallelujah! Mais Seigneur, oh, Lord. Il semble que it's les païens prospèrent plus que nous! The pagans prospèrent plus que nous! Ceux qui ne prient pas ont des vécus, Seigneur. Those who are not praying, ceux qui ne prient pas avancent. Those who are not praying, they are going on. Allez lire Jérémie chapitre 3. Yeah. Go and read Jeremiah chapter 3. La Bible dit, Dieu dit que non, vous m'irez contre moi. You are whispering against me. Oh, une personne qui a compris sa mission. Alléluia. Il est patient dans les process. He is patient in process. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que quand je m'ingénue, la prière c'est pas une lamentation, mais la prière c'est une conversation. La prière c'est un moment précieux de parler avec Dieu. Comme moi quand j'étais marié, dans le civil on nous avait dit, s'il y a un endroit que des mariés peuvent discuter, c'est dans leur chambre à coucher. If there is a place where the married people can discuss. Amen, amen. La prière, c'est comme si Dieu te faisait entrer dans sa chambre à coucher. The prayer is like you are in a chamber. Écoutez comment on prie. Listen how we have to Seigneur pray. Dieu, look, cette situation, personnellement, je ne comprends pas. This situation, personally, I don't. Je lis dans la parole, je n'ai pas vu un type. I heard you. Amen, amen. Ah, par rapport à ma situation. Maintenant, quelle est ta volonté?
par rapport à ça. What is your will? Montre-moi le chemin de sortie. Show me a way. Parce que laisse-moi te dire, tout mal ne vient pas pour détruire, frère. Amen. Jamais. Toute épreuve n'est pas là pour vous déstabiliser, frère. Il y a des épreuves qui sont là pour te former. Some are there to shape you. Il y a des épreuves qui sont là pour te laver, te nettoyer. And to clean you. Peut-être la société qu'on est passé dans dedans. Dieu veut que tu rentres à la vie de prière que tu avais avant. Mais quand toi tu ne comprends pas, when you don't understand, tu ne trouveras aussi jamais là la solution. You will never find. C'est comme ça la Bible dit. Mon peuple périt par la manque de l'accord et la connaissance. My people perish lack of. Oh, la position la plus dangereuse est que the dangerous position. La personne qui dit que je ne connais pas, il a raison. C'est lui qui connaît, c'est pas un problème. Mais le vrai problème est que lorsque tu regardes ta vie, tu passes à comprendre ou à connaître alors que tu connais rien. You think you will understand? Je vous assure au nom de Dieu, si tu connaissais pour ta position, si tu connaissais pour ton problème, tu allais déjà avoir la solution. Déjà depuis longtemps. La maladie allait déjà partir. Ces difficultés-là allaient déjà te quitter. Ces démons-là allaient te. Dis-moi, est-ce que that demon les épreuves de Job, la cause c'était quoi? The trials of Job, what was the cause? Les épreuves de Job, la cause était quoi? What was the cause? Non, frère, des fois quand tu souffres, quand tu parles des moments difficiles, la prière c'est pas oh Seigneur, aie pitié de moi. Non, non. Avant de demander pitié, il faut savoir. Before asking if est-ce que c'est un sujet que Dieu amène pour que je puisse te célébrer? Is what God brought for frère, si Sarah n'avait pas fait 25 ans, on n'allait jamais parler de Sarah dans la Bible. Amen, amen. Demandez d'abord avant de prier, please. Before c'est comme ça que vous avez dit. Et quand un chrétien arrive le soir, when the Christian il doit d'abord analyser sa journée. He has to analyze his day. Amen, amen. Amen. Regardez là où il avait failli. Look where he pourquoi failed. Il avait failli. What did he fail? Qu'est-ce qui s'était passé? What happened? Et après ce moment-là, and after that moment, qu'est-ce qui va s'arriver? What will happen? Il saura comment orienter sa prière. He will know how to. C'est comme ça qu'il y a des choses que tu demandes pardon que tu ne devrais pas demander pardon. You are asking for forgiveness. You are not supposed to ask for forgiveness. Il y a des choses que tu glorifies, tu dis alléluia, ben tu devais pleurer. You are, there are things you are giving to God. Frère, trop de sucre dans le corps, ça produit quoi? More sugar in the body. It what we produce. Lorsque l'église comprendra sa position, when the church shall understand its lorsque position, l'église comprendra ce qu'il est, what the, when the church will understand what lorsque it is, le pasteur comprendra leur mission, when the pastors will understand c'est comme ça, mission, moi je vous dis, chers prédicateurs, je me répète encore, fisherman, ne soyons pas des hypocrites. Let us not be hypocrites. Ne soyons pas des menteurs. L'heure est arrivée où l'église de Dieu doit s'élever par ses propres moyens. Where the church of God must amen. His own way. Frère Branham a dit, ma say, mission sur la terre n'est pas de construire des églises, n'est pas de construire des organisations, not to build organizations. Mais Dieu m'a envoyé, but God et j'ai qu'une seule chose qui me préoccupe, moi Branham. I am only one. Jusqu'à ce que je verrai une relation s'établit entre l'homme et son Dieu. Même Branham n'a pas de place là-dedans. Even Branham has no place inside. Et moi, prédicateur, je suis qui? Who am I, the preacher man? Je suis qui? Who am I? Enfin, comme je ne peux. Bon, on va changer quelque chose, excusez-moi. We are going to change something. I'm sorry. Nous disons que nous prêchons la parole pour parler une épouse. We amen, are amen. Saying, we are preaching the way alors, the people bride. J'allais par la foi. Qui épouse ici? Who's the bride here? J'allais par la foi. Qui épouse? Même toi, pasteur, dans ta propre maison, tu ne sais pas qui épouse. Even you, pastor, you don't know who's the bride. Est-ce que je mens? Am I lying?
fait entre de qui épouse? Who's the bride between us two? Non, dites-nous. Manaï, nana épouse. Who's the bride? Ah? Et c'est comme ça, moi je me suis dit, that la seule raison que je peux monter derrière la chaire pour prêcher, c'est ramener l'homme devant le soleil de la justice. Amen, amen. Je prêche pour te ramener à Dieu. Et quand tu vas trouver Dieu, la conversation que vous aurez voûtée là, ça ne concerne pas. Amen, amen. Moi aussi j'ai mes démons que je combats. Frère, laisse-moi vous dire la vérité. Les pasteurs aussi ont ces démons. The pastors also have their demons. Le pasteur aussi a ses faiblesses. The pastor has also his. Mais seulement par la grâce de Dieu. Only by the grace. Dieu lui a donné des capacités plus que vous. God gave him the abilities. Amen, amen. De supporter, de comprendre des choses. To support and understand things. Moi, je prêche ou je vous prêche pour que cette relation perdue. Amen. Amen. Soit restauré dans vos âmes. Alors, à quoi c'est bon venir vous mettre le bruit dans les oreilles? À quoi c'est bon venir vous parler des millénions alors que pour le moment, tu n'as pas encore vécu ta propre vie? Hein? Et c'est comme ça que tu verras que les diables avaient compris que. Daniel avait dit, ceux qui liront le parrain de ces livres autant qu'il soit, la connaissance fera quoi? Où est-ce qu'il est qu'il ne combat beaucoup les messages? Dans la connaissance. Ah, mon âme entière, vérifiez frère. Il est à Paris. Il est venu. Il est des années. Il est remonté. Bon, nous tous qui ne comprenons pas ce mystère là. On ira en faire. La maman, la vieille maman là qui ne comprend pas les vaccins. Il vient à l'église parce qu'il doit venir à l'église. Il ira en faire. Hein? Parce qu'il ne comprend pas comment il est venu. Pas comment il n'est pas venu. Or how did not came. Arrêtez les distractions, bien-aimés. Stop with the distractions. Aujourd'hui, triste réalité. Today, Christ, tu vas trouver que les prédicateurs, on insiste plus sur la, bon, sur les doctrinettes. Bon, c'est même pas la doctrine. Insisting on the doctrine. Qui peut me montrer dans les messages des frères Branham l'oncle la doctrine des secondes venues? Who can show me in the message where they wrote the doctrine? Même vous qui suivez cette prédication en ligne, envoyez-moi une situation, une citation des frères Branham. Là, on dit qu'il existe la doctrine de la seconde venue. Where they are speaking about the doctrine of the second coming. La seconde venue, c'est pas une doctrine. The second coming is c'est une promesse. Amen. It's a promise. Amen, amen. Amen. Je reviendrai. I shall come. De la même manière, je suis. In the same way, I want. Ce n'est pas une doctrine, maman. It's not a doctrine. Aujourd'hui, triste réalité. Tu vas trouver quelqu'un qui vient à l'église. You find somebody coming to the church. Il aime plus, il connaît beaucoup de la doctrine. He knows more about mais il the connaît doctrine, peu de Dieu. But he knows little about God. Maintenant, on crée doctrine à Kassigolo. Frère Branham a dit que la nuée de gloire était sortie là où je me tenais. Came out where I was stood. C'est une session de Frère Branham. That is a quotation of Brother Branham. Non, j'ai d'autres nous. Frère Branham a dit 317 mariage et divorce. Frère Branham a dit le même visage qu'on avait photographié à la même endroit, à la même direction, ils étaient venus. They came. Bon, si on avait pris la photo, ça allait être quand ils venaient. If they took the picture of the angels, which coming was it? Vali. Mariage et divorce, par exemple, 317, 15, 17, jusqu'à mort. Il dit que la même constellation qu'on avait photographiée là était descendue pour donner la réponse du mariage et divorce. Came down to give the answers to the marriage. C'était quand tu es venu. Which coming was that? Bon, il sortait là où je m'étais né. Enfin, c'était pas la venue, c'était la sortie. Pas ta suisse, c'est simplement la révélation en règle. Thank you.
Hein? Bon, dis-moi. Il sortait là, je me tenais. Ça vous a aidé encore? Alors que nous prêchons les gens les grandes choses, il y a des démons qui font les enfants de Dieu. Oh, les couronnes est réservées à celui qui vaincra. The crown is reserved to the one who shall overcome. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus a dit. Jesus said. Il y aura un jour. There shall be a day. Où moi, Jésus. When I, Jesus. Frère David, je ne prierai pas le Père pour toi. I will not pray the Father for you. Ma sœur, je ne vais pas prier le Père pour toi. My sister, I will not pray the Father for you. Mon frère. My brother. Les prières des pasteurs n'auront plus le fait sur ta vie. The prayers of the pastor will not have effect on you. Il y aura un moment qui arrivera dans ta vie. There shall be a time in your life. Tu ne partiras jamais chercher la Bible pour chasser un démon. You will not go to seek the Bible to chase a demon. Il y aura un jour. There shall be a day. Où tu ne partiras pas chercher les citations. L'éveil serait paragraphe 4. Non. No. Là où nous vivrons aujourd'hui, the time we are living c'est le temps où l'apôtre Paul avait dit, in the time the vous êtes les épîtres de Dieu, you are the épîtres vivantes, working. Là où la parole doit devenir vous. Where the word must become you. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Laissez-moi lire. Aïe, 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 aïe. Let me read. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Autre, vous allez tout suivre. Pas mal à midi. Jéhovah Jireh était. Paragraphe 134. En quoi d'autre pouvez-vous poser votre foi à part la parole de Dieu? What else can you put your faith except the word of God? Question. À quoi d'autre, mon frère? To what else? Que tu peux mettre ta confidence. Where you can put your confidence. Tu peux mettre ton trust à cela. En quoi? À part la parole de Dieu. Il dit, si Dieu l'a dit, if God said, ne bougez pas de là. Don't move from there. Si Jésus a dit que le Père lui-même vous aime, if Jesus himself mon frère, ma sœur, ce matin, tu dois te lever. You must rise. Peu importe ce que tu avais commis hier. No matter what you have done yesterday. Peu importe tes péchés. No matter you sin. Peu importe tes faiblesses. No matter you weakness. Mais quand Jésus te dit. When Jesus said que le Père vous aime. The Father loves you. Ça signifie que le Père, hein, il vous aime. It means the Father loves you. Amen, amen. 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 Quand Jésus était mort au calvaire. When Jesus died on Calvary, c'était pour terminer le problème du péché. Jean veut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte, non celui qui lave, not the one who cleans, mais ôte. But takes away. C'est comme ça, un chrétien ne pêche pas, a Christian don't mais see, il commet des erreurs. But he commit errors. Et quand il commet une erreur, qu'est-ce qu'il fait? When he commit the error, il se repent, il continue ça. He repent and carry on. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas être en Jésus et pécher. But because you can't be in Jesus and sinning. Là, c'est pas seulement de la Bible. That is amen, amen. The Bible. Amen. C'est comme ça, un vrai chrétien ne fuit pas un problème. A true Christian don't il approche son bien-aimé. Ce que that tu avais fait. Beloved, et s'y mettez. Regardez, il est 45. On reste amis. On reste frères d'une même église. Mais on doit fixer ça. Je ne quitte pas l'église. Je n'ai pas ma sœur. Tu sais pourquoi? Frère Branham me dit, nous tous nous commettons des erreurs. Si moi je commets une erreur aujourd'hui, par exemple, hein, les mamans. Parce que je crois, je dis la papa. Amen, amen. Tu te moques de moi. C'est-il l'erreur que tu commettras peut-être dans 5 ans? Hein? Are you not going to do it in 5 years? Le chrétien n'a pas réussi l'autre.
de critiquer, the Christian did de poster sur WhatsApp, dans des statuts ou faire des choses. Nous avons reçu l'ordre que quand ton bien-aimé est par terre, toi aussi tu dois descendre. Enfin, tu ne peux pas m'aider à rester debout. Comment je suis en bas? Impossible. Tu dois déplomber. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est comment ça signifie? Hein? Toi aussi tu participes à son péché. You have to participate in his sin. Amen, amen. C'est comme ça le frère Sylvain quoi nous a chanté. Ce que vous dites de moi, c'est ce que j'ai deviendré. Amen, amen. C'est la loi de l'identification. That is the law of identification. Alléluia. Amen. Écoutez, frère Bana. Listen, brother. Bana me dit. Brother Bana says. Ne bougez pas de là. C'est vrai. That is true. Elle ne dévie pas. Tirez du livre au dessein de Dieu. And don't escape. C'est-à-dire la Bible. It means the Bible. Ses attributs. His attributes. Ce qu'il a promis. What he has promised. C'est ce qu'il a promis, c'est ça sa parole. What he has promised, that is his way. Ce que Dieu a promis. What the, c'est God ça promised. La parole hein, de Dieu. That is the way the quand Dieu dit que le Père vous aime. When God says the Father loves you. Frère. Brother, c'est ça la parole hein, de Dieu. That is the word of God. Brother Bam says, ce qu'il a promis sa parole. What he promised. La parole se reproduit. The word it reproduit. Il doit d'abord être une pensée. It has to be a avant d'être une hein, parole. Before being a way. C'est comme ça un jour Frère Branham. Machin qui fait pèlerin. Was working with Brother Perry. Frère Perry s'est dérangé. Brother Green was. Pourquoi chaque chose que je fais, Frère Branham, pour laisser ça d'avance? Why, whatever. Amen, amen. Il demande à Frère Branham. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des pensées propres? What Frère Branham me dit. Les oiseaux peuvent passer dans les champs. Amen. The birds can pass on the field. Mais ne leur laissez pas bénir. But don't let them dwell. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Une pensée peut venir dans ton esprit. Mais ne laissez pas cette pensée-là demeurer en toi. Parce que c'est cette pensée-là plus tard qui deviendra la parole. Oh, la Bible dit ceci, la vie et la mort est au pouvoir de life and death is to the power of your tongue. Est-ce que tu comprends? Do we understand each other? Alors combien de fois tu t'es déjà maudit toi-même? How many times have you cursed yourself? Combien de fois as-tu déjà maudit tes enfants? How many times did you curse your kids? Combien de fois as-tu déjà maudit ta femme ou ton mari? How many times have you cursed your wife or husband? Et après tu te poses la question. And after you question yourself, pourquoi ma famille ne vous rit pas? Why my family? Pourquoi on n'est pas au monde? Why pourquoi on ne fait pas ceci? Kids? Why are we doing this? La centrale de vos pensées. What is the center of your thought? Ce sont des prédications que j'aime. This is the predication. Parce que là, tu sens vraiment que l'esprit est en train de parler aux gens. Because you will feel the spirit. Où chacun est en train de retrouver sa place. Where everyone is non, vous n'allez pas me comprendre. Laissez-moi lire une citation pour vous. Let me get a quotation for you. Vous n'allez pas me comprendre comme ça. Ok. Prenez, je vais lire cette citation et maintenant cette citation, je vais être là. I'm going to read. Vous devez reconnaître votre position. You have to know your la position. La foi parfaite, paragraphe 68. Quotation 68. Prêchez le 25/8/63. Frère Bonham a dit. Amen, amen. Amen, amen. Please, écoutez la lettre. Frère Bonham dit. Says, alors, then, la seule chose que vous devez faire, the only thing you have to do, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Is to have faith in what you are. Et je pense que je vais attendre un amen. Amen. Il dit, ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Have faith in what the word said you are.
Jésus avait foi. Jesus had faith. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Qui disait ce qu'il était. Which said what he was. Il était écrit de moi. What was written. Amen, amen. Amen. Quand Jésus parlait. When Jesus was saying, Jésus disait. Jesus was saying, il était écrit de moi. It is written about me. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il dit. He said, David dans le psaume, le prophète. David in tous les psaumes. N'ont-ils pas parlé de lui? Did not speak je suis le pain de vie qui vient de Dieu. I'm the bread of et qui est descendu du ciel. Comme on a dit, Amen. Jésus cet arbre de vie du jardin d'Éden. Jésus toutes ces choses. Jésus c'est lui qui suit. I am the I am. Écoutez, il savait. He knew. Avec cette foi parfaite. With that perfect faith. Qu'il était le Messie ou hein, he was the anointed Messiah. Que l'Esprit de Dieu était sur lui. And the Spirit of God was upon him. Il dit. He said. De moi-même. Of myself. Je ne peux rien faire. I can do nothing. Mais c'est ma foi en Dieu. But my faith in God. Jésus qui était le Fils parfait de Dieu. Jesus was the perfect son of God. Il devait d'abord avoir la foi des Écritures. He was supposed to have faith of the Scriptures. De, pas de toute la Bible, non, frère, excusez-moi. Not of all the Bible. Jésus avait foi à ce qui était écrit de lui. Jesus amen. Had faith of hein? What was amen. Written about amen, him. Amen. 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 Par ce qui était écrit à Moïse. Not about what was written about Moses. Parce que t'es qui à propos de. Not what was written about. Bon, si je te pose la question ce matin, qui est vivant. If I'm questioning you this morning, the Church of the Living God. Combien de versets que tu peux me rassurer maintenant que ça t'appartient à toi? How many verses can combien? You assure me it belongs to you? Que quand tu écrivais la Bible, ça là, c'est pour moi. When Jesus wrote the Bible, this is for me. Ah. Le bonheur et la grâce accompagnera tous les jours de. Hein? Frère Bonhomme dit. Jésus. Mais c'était la foi. Mais c'était ma foi en Dieu. It was my Dieu était en lui. La God parole en lui manifeste. Quand la parole de Dieu vient en vous, when the word of il rend manifeste car vous êtes un croyant. Amen, amen. Amen. Combien des amens as-tu déjà dit à l'église? Amen. Et combien de résultats as-tu déjà vu dans ta amen. Vie? Have you seen in your life? Ah. Parce que quand la parole de Dieu vient à, dans la vie d'un croyant, when the word of God ça doit in the life of produire. Montre-moi le produit de tes amens. Show me the products of your amens. Vous ne comprenez toujours pas. You don't understand still. Quelle est l'attraction sur la montagne? What is the attraction? Paragraphe 158. Quotation. Amen. Viens me déparler. Parce que c'est une citation. Si moi j'ai lu, on dit que non, prédicateur, elle m'a commandé. Aidez-moi de lire ça, please. Moi je vous dis même ça. Il n'y a aucun homme. There is no man. Aucun ange. No an angel. Rien. Nothing. Même pas Dieu lui-même. Not even God himself. Qui puisse vous pardonner vos péchés. Who can forgive your sins? Bon. Pourquoi tu es venu ce matin à l'église? Why have you come this morning to the church? C'est pas moi qui allais. Pasteur, je suis Nam Natangite. C'est le frère Benjamin qui allait. His brother Benjamin Horry. Je vais répéter ce que le frère Benjamin allait. I'm going to et c'est pas le frère Benjamin qui a écrit ça, c'est frère Branham qui l'a dit. Yes, brother. Est-ce que vous croyez que frère Branham c'est un prophète de Dieu? Il dit ceci. Il n'y a aucun homme. There is not any man. Aucun ange. No any angel. Rien. Nothing. Même pas Dieu lui-même. Not even God himself. Donc pour les problèmes de ta vie. For your problems of your life. Ce matin, je voulais terminer à comprendre une seule chose. I would like to help you to understand one thing. Le diable n'a rien à faire avec ça.
The devil has nothing to do with that. Les anges, ils ont rien à faire avec ça. Even the angels has nothing to do with that. Laisse-moi t'achoper. Let me. Même Dieu lui-même. Even God himself. Okay. Yes. Il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Oh, isn't it one amen? Say amen. Amen. J'en ai ici, mais je vais être dans les temps passés. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas nourrir l'épouse de Christ avec des charognards des catholiques, frère. Branham say, you cannot feed the bride of Christ avec les pentecôtistes. Non, frère, ça ne marche pas. C'est quand on dit que nous devons prêcher la parole, il y a un débat. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'on vous mène là, écoutez, c'est comme quelqu'un qui a faim. Amen, amen. Et il vient chez toi. Hey, ma sœur, Dieu bénisse. Ah, ma sœur, encore mieux comme l'école on a faim. Ah, ma sœur, vous avez quitté au Maca, si y a, aide-moi encore, y a. Ah, et que la sœur a spirituel l'église au Bible. Maintenant, quand tout passe, ma casse n'est pas à l'âme. Frère, quand tout passe, ils ont malade. Qu'on pèse dans nos chloroquines, nos vagines, bam, bam, grand pas, tu sais, grand pas. Tout n'est pas question de bosso. Question first. Est-ce que depuis le matin, a-t-il déjà mangé? Since morning, have you eaten? Ah? Ah? C'est comme ça, tu vois, quand vous venez à l'église, when you come to the church, nous les prédicateurs, ask the preacher, au lieu de traiter les vrais problèmes qui vous dérangent, mais on traite quoi? Les maux de tête. Comme ça, vous constaterez que tu fréquentes l'église you go to the church, année après année, year mois after après mois, mois month after month, mais tes problèmes ne changeaient. But your problems don't ta vie n'évolue pas. Your life is not going on. Amen, amen. Amen. Si vous donnez à cet homme-là les grands pas, if you give oui, that la tête man, va descendre. Mais ça va encore recommencer. But it will start again. Amen, amen. Amen. Or, dans ce message, in this message, il existe une puissance de transformation. There is a power of transformation. Qui peut prendre quelqu'un qui est pauvre en argent, who can, which can take somebody who qui peut prendre un John Charite, un concasseur de pierre, et devenir un millionnaire, and become a millionnaire, et commencer à donner des millions de dollars par an pour la cause de Christ, and contributing millions of dollars for the cause of Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand? Amen. Dans ce message, in this message, il y a une puissance, there is a power, qui peut ressusciter un enfant qui était éparpillé à la mort, l'enfant Philadelphie, which can bring back to life a child who was dans ce message, in this message, il y a une puissance pour guérir toutes sortes de cancers. There is a power to heal any kind of cancer. Dans ce message, in this message, il y a une réalité, there is a reality, qui te montre que Dieu est avec ce message, which shows that God is with this message. Mais pourquoi tu te lèves pas et respire? Why you don't stand and rise no. and shine? Pourquoi ta situation reste la même? Why your situation remains the same? Alors qu'il n'y a pas un homme, no il n'y a pas une femme, no woman, il n'y a pas un ange, no même pas Dieu lui-même. Even God himself. Ah, qui peut pardonner tes péchés? Who can forgive your sins? Frère Benjamin, il n'y a personne. Brother Benjamin, there is nobody. Pour t'élever en onction. To uplift you in anointing. Bon, il n'y a personne. There is nobody. Pour te faire un homme riche. To make you a rich man. Parce qu'il y a l'onction financière quelque part. Because there is the financial anointing somewhere. Il n'y a personne. There is nobody. Qui peut faire de vous une femme de prière. Who can make you a woman of prayer? Consacré à Dieu. Consecrated to God. Ah, dans cette église là. In that church. Je sens comme si la puissance n'est pas. I feel like the Dieu power n'est pas. Is like mais toi la personne qui parle. Peut-être que c'est toi le vase de cette église là qui t'avait placé là. Of that church.
Mais comme tu ne te consacres pas, comme tu ne comprends pas ta mission, you don't understand your mission, qu'est-ce qui se passe? What happened? Il y a mes frères et sœurs qui souffrent à cause de toi. Et tu continues pas à critiquer, à fêter tes pardons. Que Dieu soit miséricorde pour toi. God forgive you. May God be merciful to you. Tu n'as pas le droit de souffrir encore dans cette vie. You don't have the right to suffer because of that. Il n'y a aucun parent. There's no any parent qui peut voir ses enfants souffrir et être content. Who can see the child? La Bible dit ceci. Si vous le papa charnel que vous êtes, méchant. You, the kind of parent, you quand vos enfants vous demandent des pains. When you vous ne leur donnez pas de pierre. Quand vous demandez poisson, vous ne leur donnez pas de serpent. You don't give them à combien plus fort de raison. What about celui qui a créé les cieux et la terre? The one who created the heaven and earth. Église du Dieu vivant. Church of the living. J'avais voulu que nous puissions comprendre une chose. I want us to understand one thing. Que c'est notre temps. It is our de se lever. To stand et de dominer cette terre. And to dominate, to rule this world. C'est ton temps de dominer sur l'argent. It is your time. L'argent ne peut pas te dominer, frère. L'argent ne peut pas être ta priorité, frère. L'argent, ce sont les accessoires. Those are accessories. Quand tu reçois Dieu premièrement, when you receive God first, et ces choses arrivent. And the other things shall come. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham dit, il n'y a aucun homme, there's no aucun man, ange, no rien, angel, même nothing, pas Dieu lui-même, not even God qui puisse vous pardonner vos péchés. Who can forgive, tu sais pourquoi? Your sins. You know why? C'est déjà fait. Amen. La promotion que tu cherches, the promotion you are seeking for, c'est déjà fait. Amen. Amen. Parce que tu avais reçu, tu vas dire amen. 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 Je crois que tu allais redire ça, c'est pour moi. La délivrance que tu cherches, the deliverance you are seeking for, c'est déjà fait. Amen. Amen. La tranquillité que tu cherches dans ton mariage, c'est déjà fait. Amen. 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 Tu as toujours senti que ma vie est plus élevée que ce que je suis en train de vivre. Oui, frère. Yes, brother. Tu as une vie. You have a life. La Bible dit, the Bible je connais says, le projet que j'ai formé pour vous. I know the project. C'est le projet de bonheur. It is the project pour que tu puisses avoir un avenir meilleur. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme, nous allons finir, frère dit. L'homme intérieur. The inside man. Paragraphe 29. Comprenez-moi. À la maison là où je suis, il y a que un Sud-Africain. Les gens qui parlent seulement anglais, là, les enfants là qui sont nés ici là. Alors si tu veux exhorter, prêcher, tu dois prêcher en anglais. Alors puis tu commences à apprendre à prêcher en anglais, sentiment anglais, peu comme Goya. Évitez-moi, frère Branham. Voilà. De mon français comme au Kim. Eh bien, Jésus a dit, écoutez bien, listen, ayez foi en Dieu. Qui dit amen à ça? Amen. Est-ce juste? Is that right? Amen. Car en vérité, je vous l'ai dit, truly, si you, vous, if you, pas moi, not me, si vous dites à cette montagne, if you say to this mountain, this morning, now, ôte-toi de là, move from there, et si vous ne doutez pas, and if you don't doubt, il vous obéira. Amen. It will obey. Amen. Qui croit cela? Amen. Tu as compris que Jésus ne va pas prier pour toi ce matin? You understand that Jesus did not pray for you this morning? Tu sais pourquoi? You know why? Parce que Jésus t'a pris là où tu étais. Because he took you il where t'a you fait were. Monter là où lui il est. He brought you where amen, he amen. Is. Amen. Et Jésus lui m'a compris que la valeur maintenant que tu as devant le Père, à d'ailleurs que ce soit de l'autre côté, est-ce que vous connaissez ça? Donc Jésus a confiance en vous.
Jesus trusts you. Jésus a confiance que si toi-même tu parles au Père, ça sera mieux que celui par le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a confiance ce matin que si tu parles, tu expliques ton problème à Dieu, ça sera bien expliqué que si lui parlait pour vous. Jésus pense que si ce matin, et que tu demandais quelque chose à Dieu, if you ask something to God, frère, j'ai une situation et une citation que ça ne vous m'a pas si. I have a quotation which will help you. Ici, je ne vous prêche pas laisser le mal. I'm not preaching. Mais je vous donne la chose qui fait quitter le mal. I'm giving you the thing. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une différence. Répandez-vous, tika kindumba, tika masum. There is a difference. Est-ce que vous comprenez? Souvent, mes pasteurs suisses. Je vous dis la vérité. Des fois, pas, je m'en verra. Frère, l'impudicité. Frère, les mensonges. Frère, les escroqueries. Oui, les maçons sont là. Les escroqueries sont là. Mais, pasteur, moi-même, je n'arrive pas à me délivrer. Montrez-moi, donnez-moi quelque chose, un poisson magique que je vais prendre pour que la sorcellerie s'anime. Pour que les escroqueries s'animent. L'impudicité s'anime. Moïse s'anime. Contourne s'anime. Vous répondez bien. Et c'est ce que je vous donne ce matin. Que tu as une puissance en toi. And you have the power in you. De s'asseoir. To sit. Tu sais ce que moi je faisais souvent? You know what I was doing? Je prenais des chaises. Des chaises. I was taking two chairs. Je mets là. Je m'assois. J'ai dit Seigneur. I said Lord. Frère Balaam dit que tu ne manques aucun de tes rendez-vous. Balaam say you never refuse invitation. And you never refuse invitation. J'ai envie de te parler. I want to speak to you. Assieds-toi là. Sit there. Oh, étant que qui? Étant que ton fils. Jésus. À qui tu avais versé le sang? Amen, amen. Le ministère de Jacob. The ministry of Jacob. Mais je suis en train d'écouter la voix d'un pécheur. Oui. I'm listening to voice. Mais regarde-moi. Yes. Quand je regarde comme ça, il voit que le sang. Mais ça c'est la voix de Jacob. This is the voice of Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Isaac a touché. When Isaac touched. Oh, Esaü. Amen. Il est bien à côté, frère. Merci. Oh, Esaü. This is Esaü. Mais, oh. Alléluia. Que ce matin. This morning, brother. Ne regarde pas tes péchés. Don't look to your sins. Ce matin. This morning. Ne te culpabilise plus. Please, arrêtez ça. Don't guilt yourself. Frère Branham dit, les soucis créent les cancers. The sorrows create the cancer. Amen, amen. Amen. Quand tu parles à Dieu, when you speak to God, va avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Oh, with the authority tu perds. Je voulais appeler mon grand frère Jésus parler pour moi. I would like to. Mais il m'a dit que tu m'aimes. Yes. Il m'a dit que tu m'aimes. But my brother told me you love il m'a me. Dit que tu m'aimes, Père. He told me you love me. C'est bye pour bye. Cela que tu avais versé ton sang pour moi. You shed your blood for me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens, Père, je vais te parler. Come, Father, I want to speak to you. Même la voix que tu écoutes, c'est un pécheur. Mais je viens sous le sang de Jésus. I'm coming under the blood of Jesus. Frère Branham dit. Branham says, amen, amen. Amen. Il dit le sang de Jésus. The blood of Jesus. C'était comme un tapis de bienvenue. It was qui like était allé. Depuis la croix jusqu'au ciel. From the cross to heaven. Et si tu vas au ciel, if you want to go to heaven, ne marchez pas dans le tapis rouge. Don't work. N'allez pas avec tes mérites. Tu n'as pas de mérite, frère. Il a rien. Don't go with your merit. Peut-être que tu commets le péché seulement différent de moi. Maybe you are committing the different sin than I. Je dis la vérité. I'm saying. Peut-être moi je vois toi tu critiques. Maybe I'm stealing, but you are criticizing. Est-ce que je mens? Il est temps que l'Église qu'on vous disait des vérités. It is time for the church to tell you the truth. Parce que quand Dieu me demandera ces jours-là, when God will ask me that day, I will say, Father. J'avais beaucoup à dire. I had many choses à parler. I had many things to say. Mais tu m'avais commis de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. But you est-ce que tes enfants-là, ils avaient obéi? Did your children moi, j'avais fait mon travail. I have done my work.
one says, Rappelez-nous maintenant debout. While we are standing. Si on peut se mettre à debout, s'il vous plaît. Obligatoirement, il doit faire exactement ce que vous dites. It must, he has to do what you say. Ce matin. This morning. Lève-toi. Stand up. Resplendis. Amen. Ce matin. This morning. Ne laisse plus rien d'autre venir. Don't let mettre du noir entre toi et le ciel. To put, ce matin. This morning. Ne laisse plus. Personne, nobody, te dit que tu n'es pas un fils de Dieu. To say to you, you are not a son of God. Ce matin, this morning, ne laisse plus jamais don't les erreurs du passé. The errors of the past. Alléluia. 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 Puisse te faire sentir coupable devant Dieu. Make you feel. Mais qu'est-ce que le diable veut? Le diable veut qu'à chaque fois que tu lèves tes mains. Alléluia. Amen. Que tu te souviens des mal que tu avais fait. Quand cette qui va venir à toi, il vient, il vole tes bénédictions. He come and steal your blessings. Il te montre que tu es, Dieu ne peut pas t'écouter. He shows you God cannot listen to you. Frère Manam dit, Brother One says, pourvu que vous ne doutiez pas, eh bien, croyez-le ici. As long as you don't doubt, yes, believe it. Amen. Amen. Il dit, amenons ces circoncisions aussi à croire cela. Let us bring the subconscious to believe that. Vous comprenez ça? Do you understand? Tu crois dans ton cœur et tu amènes votre and tête you bring là. Your head, alléluia. Your mind, your subconscious, et crois to believe à cela. To that. Tu n'es pas l'enfant de ton père ni de ta mère. You are not the child of your mother or father. Toi, tu as été racheté dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. You have been by the blood of Jesus Christ. Les jours que tu avais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, the day you accepted Jesus, tu avais changé de famille ces jours-là. You have changed the family since tu avais changé de sang. You changed the blood since tu n'es plus un Congolais. You are tu n'es plus un Sud-Africain, tu n'es plus un Français, mais tu es un chrétien. Et toutes les bénédictions des cieux and all the blessings of heaven est pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde dans ta vie look in your life, les choses là qui te dérangent. What disturbs you? Ces bénédictions-là, tu as toujours pensé que tu auras un jour. Those blessings you are thinking, mon frère, ma soeur, c'était déjà fait. It was done already. Les enfants que tu attends toujours, the children you are waiting for, ils sont déjà là. They are there already. Le véhicule que tu attends pour conduire, the car you are waiting to drive, je te donne au nom du Seigneur Jésus Christ. I give it to you in Jesus Christ's name. Amen. Amen, amen. Amen. Mais nous devons comprendre, but we have to understand, que je suis le fruit de mes propres confessions. I am the fruit of my own confessions. Alléluia. Amen. Amen. Ce que vous confessez de what you confess of yourself, c'est ce que tu deviens. Is what you become. C'est ce que tu es. Is what you are. Vous êtes vos confessions d'hier. You are your confessions of yesterday. Alors si ça ne marche pas, if it's not ce matin, c'est l'opportunité que je te donne. This morning you have the opportunity. Demandez jusqu'au trône du Père. To go up to the throne of the Father. Parce qu'il t'aime. Because he loves you. Et de lui parler. And speak to him. Amen, amen. Amen. Demande au conducteur de chanter une chanson. Alors que nous sommes attirés de la prière de la méditation. Ne va pas faire la lamentation des sœurs qui gagnent. Ne va pas faire la lamentation des frères X. N'allez pas au Seigneur. Non. Allez et parlez. Amen. Seigneur, pour cette situation, quelle est ta volonté? What is your will? Qu'est-ce que je dois faire? What? Père, regardez ici, c'est bloqué. Père, ici, ça ne marche pas. Père, je te remercie pour ça, ça marche. Mais comment je peux m'y apprendre avec celui-ci? Quelle est ta voix dans tout ceci? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans tout ceci? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse pour ceci? Alléluia. Alléluia. Là, quand tu viendras à l'église, le prédicateur va dire une citation qui touchera ton prochain. Ta sœur te donnera un conseil qui touchera que ces problèmes-là. Alléluia. Dieu va te donner quelqu'un un songe.
c'est un acte de problème. Mais lorsque tu fais de la lamentation des frères Grasse-Mouang, la lamentation des frères Suisses, la lamentation de la sœur Maranatha, la lamentation des frères Benjamin, frère, Dieu va prendre toutes les lamentations à retourner dans le livre en source. Alléluia. Et la volonté de Dieu ne changera pas dans ta vie à cause de tes lamentations. Amen, amen. Amen, amen. Peu importe comment ça fait mal. L'enfant doit faire les quatre pattes. Il faut que ma poisson dit à ta down. Alléluia. Tes lamentations ne changera pas la volonté de Dieu sur ta vie. Non, frère. Amen. Même Osias, il ne s'était pas lamenté. Alléluia. Il a montré à Dieu des choses qu'il avait faites. Et à la fin, il a demandé à Dieu une raison. Il dit, aide-moi, ajoute-moi les années pour que je mette ma maison en ordre. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi cet argent pour que je soutienne l'église. Donne-moi ces véhicules. Avec cela, je te servirai. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donnez-moi un mari. Give me a husband. Moi et ma famille. I and my house, we shall serve you. Amen, amen. Amen. Bénis mon mari. Bless my husband. Cette bénédiction. That blessing. On partagera avec tes enfants. We shall share with your children. Alléluia. Amen. Mais lorsque toi, tu as fait la lamentation. Alors que Jésus refuse de prier pour toi. Alors qu'il n'y a pas un ange pour te sauver. Même pas Dieu lui-même pour te parler. Même pas un pasteur. Même pas moi qui vous parle. C'est sur votre propre main que la solution est là. It is in your own hands to have the solution. Amen. Amen. I'm in love.
Thank you.
please. Te demander que s'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale ce matin. I would like to ask if there is someone who has a special request. Qu'il lève sa main, qu'on puisse prier pour lui. Let him raise his hand so we may pray for you. Mais je dirais que levez votre main tous qui ont des requêtes. Rise je vais seulement associer ma foi à la vôtre. I'm going to associate my faith amen, to yours. Amen. Croyez à la prière que vous avez faite. Croyez que Dieu a déjà répondu. Amen, amen. Amen, amen. Papa. Daddy. Je t'appelle papa. I call you daddy. Parce que je reconnais ma position en tant que fils dans la maison. I recognize my position as a son in the house. Je ne viens pas dans la place, moi comme un serviteur. I'm not coming in this moment as a servant. Parce qu'un serviteur a des limites, Seigneur. Because a servant has limits, Lord. Et nous approchons près du trône de la grâce. But you're approaching the throne of comme grace. Il nous a été dit dans la peur. And it was said to dans Hébreux chapitre 4, verset 16. In Hebrews chapter 4, verse 16. Approchons-nous humblement devant le trône de miséricorde. Let us approach humbly pour que nous puissions obtenir grâce et miséricorde. So we may obtain grace et être assistés au bon moment. And be assisted to the good moment. Père. Father. Toute parole qui sort de ma bouche, c'est la mort. All the words coming from my mouth is death. Mais un seul mot venant de toi, c'est ça qui produit la vie. One word coming from you that produces life. Pardonnez-nous ce matin si on a dit quelque chose qui n'était pas dans la parole. Forgive us this morning if we have said something which was not thy will. Mais si nous avons répété ce qui dit le messager de l'ange. But if we have repeated what the messenger of si, the age, nous avons répété ce qui est écrit dans la Bible. If we have repeated what is written in the Bible. Père. Father. Fais voir toute personne qui a levé sa main. Make yourself shown to everyone who has. Que réellement tu nous avais envoyé dans cette église. Really, you have sent us in this church. J'associe ma foi à la prière. I associate my faith et to the prayers. Un fils. As you qui a été justifié, sanctifié par le sang de Jésus, baptisé du Saint-Esprit, même Saint-Esprit que Paul avait. Baptized with the Holy Spirit as Paul, the same Spirit Paul had. Et je prends l'autorité sur chaque chose, I'm taking authority chaque upon problème, every problem, chaque difficulté, every trouble, chaque démon, every demon, chaque esprit every spirit, qui dérange tes enfants. Which disturb your children. Ton Saint Prophète nous dit. You said, prophet, que tout ce qui dérange c'est le diable. Whatever disturbs is from the devil. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Sors et quitte, mon frère. Go out and live. Toi la maladie. You disease. Toi la pauvreté. You the poverty. Toi le manque. Toi les difficultés chroniques. Toi la pauvreté chronique. Sors, live, et va dans les arènes. And go in the dry places. Ta mandat est terminé. Your term is over. Tu n'as plus le droit de garder et rester dans cette église. You don't have the right to remain in this church. Je proclame tout ce qui ne marchait pas, ça marche au nom de Jésus. Je proclame qu'ils sont bénis au nom de Jésus. Je proclame leur élévation au nom puissant de Jésus. Je proclame leur guérison au nom de Jésus Christ. Je proclame leur réussite au nom de Jésus Christ. Je proclame leur délivrance au nom de Jésus Christ. I proclame their deliverance in Jesus' name. Est-ce que la Bible dit ceci? C'est ta parole, Seigneur Dieu, qui va nous prêcher. Lord Jesus, we shall say. Est-ce que la parole que nous avons prêchée, qui est vie dans la main,
let the word be preached. Puisse produire la vie. May produce life. Dans leurs affaires. In their businesses. Dans leurs maisons. In their houses. Dans leurs couples. In their couples. Dans leur vie tendre père conjugal. In their dans tous les plans dans leur vie, Seigneur Dieu. Plans. Que la vie soit restaurée. May the life be restored. Bénis le pasteur de cette église. Bless the pastor of this church. Bénis sa famille, Seigneur. Bless his family. Réconforte son cœur, Seigneur Dieu. Réconforte his heart. Et oriente-lui, Seigneur. And guide him. Conduis-lui, Père. Guide him. Bénis chaque maman. Bless his chaque mother, papa. Every father, chaque enfant. Every chaque fille et garçon, Seigneur. Every daughter or son. Qui sont venus nous écouter. Et ceux qui n'étaient pas là, Seigneur. Mais qui avaient la volonté, ô Père. Bénis-les aussi, Seigneur. La même grâce que tu nous as accordée ce matin. Et ça descend aussi là où ils sont, Père. Nous déclarons que cette semaine est bénie, Seigneur. Nous sommes bénis spirituellement. Nous sommes bénis matériellement. Nous sommes bénis financièrement. Nous sommes bénis intellectuellement. Nous sommes bénis dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Béni sera ton peuple qui est dans sa patrie. Bless Israel, you people. Et bénis les pousses partout dans le monde entier. And bless the bride way that Père, notre retour ta papa. Je chasse ta papa esprit d'accident, Seigneur Dieu. I'm chasing the spirit of accident. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Quand on se rencontrera ici dans nos pères pour la prière le mercredi, que l'onction puisse remplir cet endroit. Que le vendredi, ton onction ne quitte pas, Seigneur. Et le dimanche prochain, oh Dieu, manifeste-toi encore, Seigneur. Quand nous t'avons ainsi prié et demandé, et nous orienter, Seigneur, de nous parler. To speak to us. À le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton fils du bénéfice. In the name of the Lord Jesus Christ, you speak to us. Amen. Que Dieu bénisse. May God bless you. Merci, Father, plus au pasteur suisse. Thank qui est vraiment un père pour moi. Pastor Suisse was the father for me. Et merci encore pour vous. And que Dieu bénisse. May God bless you. Que le Seigneur te bénisse richement. May God bless you richly. Acclamons le roi de rois. Let us pray for the King of Kings. Je crois que nous avons été bénis ce matin. I believe we are blessed this morning. Oui, vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu. May God bless the man of God. Pour cette énergie qu'il a dépensée. For this energy he spent. Vraiment, laisse que Dieu le bénisse en retour. Let God bless him in return. Qu'il comble les fautes qu'il y a. Let him fill the empty. Il s'est déprié comme un homme. He manages a man. Vos prières feront que Dieu lui donne un réconfort. Your prayer will make God will comfort him. Ce n'est pas un péché pour vous de soutenir l'homme de Dieu. It's not a sin for you to support the man of God. Si vous sentez dans votre cœur, if you feel in your heart, parce qu'il continue à prêcher, because he keep on, parce qu'il a une famille, because he has, parce qu'il a des enfants, because he has kids. Non, je voudrais amener les pampers pour l'enfant, par exemple. I would like to bring the pampers. Je voudrais amener un pagne pour sa femme. I would like to bring the, je voudrais amener une veste pour le prédicateur. I want to bring a suit for the preacher. C'est la considération que vous avez de son Dieu. That is the consideration qui fera que Dieu vous bénisse à cette hauteur-là. Which will make a God to bless you to. Amen. C'est à vous de comprendre la révélation. It's up to you to understand the, de découvrir la chose. To the, et si vous découvrez, if you discover, vous avez la révélation, you have the revelation, vous recevrez à l'auteur de votre bénédiction. You shall receive to the altar of, amen, the revelation. Le temps tellement avancé. Time is over. Et il est venu avec sa chère épouse. He came with his wife. Et ses deux enfants. And the two kids. La sœur Maranatha. Sister Maranatha. C'est ça son nom. Elle est là, elle ne parle pas. Est-ce qu'au côté de l'homme, tout le monde est où? Can you stand so we may greet? Elle est tellement calme que je ne sais pas. She is so quiet, I don't know. C'est l'option. Elle ne parle pas. She don't speak a lot. Et on a essayé de faire la chauffer, mon bouquet. Maintenant, ma tête.